Il y a des paquets cadeaux. Non, les tours. Les tours, les gars, c'est Noël. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale avec la découverte tout simplement d'une nouvelle carte légendaire qui vient de, enfin, sortir entre guillemets en avant-première avec le défi. Il s'agit du fantôme. Alors en commentaire tout de suite, vous me dites si vous êtes content de voir cette carte disponible en avant-première et est-ce que vous avez réussi à la débloquer. Faites-moi péter ça en espace commentaire. Est-ce que vous avez le fantôme, oui ou non, en commentaire. Pareil pour les pouces bleus, objectif 5000 pouces bleus pour cette vidéo, je compte sur vous. Et ce que je vous propose, on va découvrir ensemble cette nouvelle carte qui est disponible. On va également faire le défi et je vois qu'il y a une offre spéciale qui est disponible. Donc ce que je vous propose, on commence tout de suite. Offre spéciale des familles, oh my god, 21 euros, on a un coffre super magique, 100 000 pièces, 2500 gemmes. On a une offre également à 10 euros et une autre offre à 5 euros. Waouh, ça peut partir en sucette les amis, ce qu'on va se faire carrément. Objectif, si on atteint les 5000 pouces bleus, vous avez une vidéo de ce pack opening ce week-end. Donc faites-moi péter cet espace commentaire et on va regarder ce qu'il y a en dessous. Alors on a un petit coffre en argent, on a toujours les coffres ici. Ce que je veux voir, c'est est-ce que la carte est disponible ou non prochainement, dans 13 jours. Donc avant de faire du pack opening, ce qu'il faut réussir à faire, c'est tout simplement taper les victoires pour la débloquer. Alors je pense 12 victoires, j'ai pas encore vu la gueule du défi, on va aller le découvrir ensemble juste avant. Ouvrez le défi d'avant, le triple élixir. Et du coup, alors défi miroir du fantôme royal, une entrée gratuite. Et c'est du coup, ouais, c'est bien ça, à 12 victoires, vous débloquez le fantôme royal. À 2 victoires, c'est 500 pièces, 4 victoires, 1000. Après, on a un coffre géant, un coffre magique, un coffre légendaire. Et après, la récompense unique, le fantôme. Oh my god, en plus, c'est un défi du miroir, donc il y a moyen, les gars, ce que je vous propose. On va pas perdre de temps, on va attaquer tout de suite sur ce défi et on va ensemble découvrir cette nouvelle carte. Mais avant, mes petites truites, j'ai un petit cadeau pour vous. Mon premier coffre légendaire, les amis, coffre de quête qu'on va aller ouvrir ensemble. Donc déjà, juste avant, boum, on récupère ici les 5 petites pièces et surtout, enfin, les 5 petites médailles pour pouvoir faire le pack opening. Et on y est, coffre légendaire disponible. Alors malheureusement on pourra pas débloquer le fantôme dans ce coffre, ça on le sait. Mais bon, c'est quand même une légendaire de prix, c'est pour vous faire plaisir. Avant d'attaquer le gameplay, ce que je vous propose, on l'ouvre. Est-ce que vous êtes chaud? Vous avez mis pause, vous avez lâché votre pouce bleu, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ah, dragon TDE. Ah, dragon TDE. C'est dommage, c'est dommage. J'aurais pu le temporiser et attendre. Oh, coffre géant derrière, ça va, c'est pas dégueulasse. Choqué et déçu, mais c'est pas grave. On va enchaîner tout de suite avec le défi miroir du fantôme royal. C'est parti les amis, et dites-moi en commentaire, si vous avez pas réussi à le débloquer, combien de victoires vous avez fait sur ce défi. C'est parti. Oh, il y a le sapin de Noël et tous les guirlandes. Il y a des paquets cadeaux. Non, les tours. Les tours, les gars, c'est Noël. C'est Noël. Oh my god, c'est énorme. Oh, j'ai un géant royal. Ok, on a un deck miroir, c'est vrai, on a le même. On a le même. Oh my god, c'est Noël, les gars, je suis sur le cul. Vous pensez quoi du nouveau décor? Dites-moi ça en commentaire. Mais moi, je le trouve magnifique. Oh, double géant royal, mon petit Francis. Sauf que nous, là, on va bien découper hein, le sien. Derrière, on devrait se débarrasser du bébé Drake et de la mousquetaire. Je viens de caler un géant là. Pour protéger la mousquetaire, les amis. Et regardez le géant qui va passer comme pépé dans mémé. J'ai un fantôme. J'ai un fantôme. Go. Oh non. Non, la horde. Oh, heureusement que le fantôme il est invisible, les gars. Heureusement, il l'est. Mais par contre, la faute. Oh. Oh, il en a mis un aussi. Eh, je lui ai mis cher, je lui ai mis cher. 786, j'ai rien compris avec le fantôme, c'était un truc de fou. Et là on le voit pas, là on le voit pas, mais il y a la fille. Ok, okay. Oh, il tape fort hein. Il tape fort le bordel hein. Oh. Wouah, il fait un bruit de malade les gars. Il tape fort hein. Sincèrement rien à dire. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais miroir la mousquetaire fond de map les amis, c'est parti. Mousquetaire fond de map. On a la horde de gargouille pour gérer le géant royal en mode panique un petit peu. Il envoie un géant. Il envoie un géant, il envoie un géant, il envoie un géant. Je viens d'envoyer mon géant royal encore une fois et c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Et je pense que je vais enchaîner avec la horde de gargouille. Oh yes, le bébé dragon, on est en train de le choper les amis. Et ça c'est bon. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Regardez le géant qui est en train de se faire des pop. Complètement. Non, on va pas balancer le fantôme. On va laisser ça comme ça. Oh, le bébé Drake en miroir, je crois.
Et c'est parfait, c'est plutôt bien géré. 309 points de vie, il reste plus grand chose. Qu'on va faire nous, bah, c'est envoyer le géant fond de map, faut que je fasse attention à son géant royal. Mais carrément, parce que là s'il me l'envoie en frontline, je pense qu'il y a moyen qu'il prenne ma tour. Non, finalement ce sera une charrette à canon fond de map. On va mettre tout de suite la mousquetaire. Ok, ici on va pas paniquer, petite charrette à canon. Oh, le fantôme avec. Intéressant, on va mettre nous aussi un fantôme. Un fantôme là, il est en train de forcer comme jamais. On va partir sur une horde ici pour nettoyer un petit peu tout ça. On va mettre le géant là pour partir devant. Le mien qui passe pas, mais regardez la contre-attaque qu'il y a de l'autre côté. Elle est juste terrifiante, les amis, tout de suite ici. Le bébé Drake, alors attention parce que je suis pas passé, hein. Je ne suis pas encore passé, les amis. Ok, oh, on a le géant, le fantôme. On a le géant, le fantôme. C'est en train de taper très dur. On a le bébé Drake à gauche. Les deux tours qui vont tomber en même temps. Et c'est la victoire sur cette première game. Ce que j'ai à dire, déjà le fantôme, on va parler rapidement du fantôme ensemble, mes petites tweets. Je trouve que déjà le design, il est magnifique. Le design est magnifique. Il y a également la mécanique que je trouve très très sympathique, les amis. Le fait d'avoir une troupe invisible comme ça, ça change quand même pas mal de petites choses. Ça peut focus une troupe en particulier et qu'elle soit insensible sur le trajet, qu'il puisse pas la détruire avec de l'aérien par exemple, étant donné qu'elle est invisible. Vous avez vu, la horde ne pouvait rien faire contre. Donc j'aime beaucoup cette mécanique. Le design vraiment magnifique, les petits sons, etc. Donc j'aime beaucoup cette carte. Si je devais donner une note à cette carte, je donnerais un petit 8,5 sur 10. Dites-moi également quelle note vous donneriez à cette nouvelle carte, le fantôme. Ce qu'on va faire nous, bah, c'est rebalancer une petite game. C'est parti pour la deuxième. Oula. Ok les gars, on joue cancer. On joue clairement cancer. On va partir sur un Archix défensif. En tout cas, GG à Clash Royale, hein, pour ce qu'ils nous ont fait niveau déco, etc. J'aime beaucoup cette déco de Noël. Ils sont investis pour cette mise à jour. Et ça, je dis oui, monsieur. Là, on va protéger notre Archix. Hein. Simplement, avec un géant squelette. Et voilà, ça va être défendu. Ok, ça place un Archix défensif. Intéressant. Alors, c'est assez délicat. Je partirais bien sur un fantôme à gauche, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Il va juste poser une troupe pour la contrer. Nous, ce qu'on va faire, c'est partir sur un géant squelette fond de map. J'ai clonage, les amis. Ok, c'est bon. Le géant squelette qui a pris l'agro. Nous, on va placer un électro ici. Pour se débarrasser de cet Archix. Oh, le Tarkix. C'est bien joué. C'est très bien joué ce qu'il a fait. Ok, le fantôme. Allez, faut tuer l'électro. Faut tuer l'électro, voilà. Oh, dommage. Mon fantôme qui est révélé. Pour l'instant, on passe pas. Hein. C'est bien géré de la part de l'adversaire. Oh, il est replacé foutu. Oh, on va mettre un petit coup, les gars. Un coup. Deux coups. C'est plutôt propre. Alors on va voir ce que donne la sorcière de l'île. Elle s'en sort plutôt bien. Oh, le clonage, ça coûte cher ça. C'est parti. Archix offensif les gars. Archix offensif. Par contre j'ai rien pour l'accompagner. Oh, l'Archix il prend la target de la tour. Je sais qu'il y a un électro sorcier en face. L'Archix qui fait très mal. Ça balance une sorcière de nuit. C'est dommage que j'ai rien pour le défendre. On va s'arrêter sur ça. C'est bon, on a bien gratté. On va s'arrêter sur ça. On va assumer le dégât là qu'on va prendre. Ouh, il y a beaucoup de moustiques quand même. Allez, le géant squelette fond de map. Alors là les gars, ça va être chaud de passer en fait. Hein. Après j'ai un bel avantage en élixir. Électro fond de map. Le fantôme royal. Oh, c'est bien joué ça. Je vais essayer de sauver des troupes les gars. Ah bah non, j'ai rien sauvé du tout. Tout de suite, sortir de lui. Allez go Archix là maintenant. L'Archix là il est pas trop dégueu. Hein. Parce qu'on a encore beaucoup de troupes devant. On va enchaîner avec le géant squelette. Squelette géant. Oh, la tour à bombe là. Allez, un clonage. Clonage qui fait mal. L'Archix qui prend la tour 24 secondes restantes. On va passer une tour à bombe ici. Défensif, on se met en mode défense. Hein. On a clairement pas le temps. On a clairement pas le temps, les amis. Oh, le l'électro. L'électro qui a fait un tap énorme. Et c'est parfaitement défendu, les gars. Le GG, une hola en commentaire pour cette deuxième victoire. On est beau. Coup trop chaud et du coup bah on est plutôt bien parti pour ce défi du miroir pour débloquer cette nouvelle légendaire. Je kiffe les amis. Du coup on a récupéré les petites pièces et bah on va se faire quand même un petit kiff ensemble. On va déjà ouvrir le coffre en argent ici. On va voir ce que nous propose le coffre de chance, un petit coffre de chance ici. Ça peut faire plaisir, 750 gemmes. Et voilà le coffre de chance qui est affiché. Donc sorcière de nuit, armée squelette, zizicopter, chevalier. Bah on va tout de suite ouvrir le coffre royal et on espère avoir une petite sorcière de nuit. Ça ferait plaisir, 1800 pièces. Ok, 22 pierres tombales. Chance, ok.
192 chevaliers avec clignoting. Oh, 28 golems de glace. Et on termine avec malheureusement 8 princes. C'est pas bon. 8 princes, c'est très très mauvais. Bah du coup on va s'arrêter sur ça. Coffre légendaire, coffre de chance, 2 victoires sur ce défi. J'espère faire un petit 12-0. Allez, moi je pronostique pour ma part un petit 12-2. Il y a moyen que je fasse 12-2. En tout cas, je vais le tryhard. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de bombarder la barre de pouces bleus pour avoir le pack opening de cette offre spéciale ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros gros bisous sur la saucisse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.